Alors bonsoir à toutes et à tous. Ah, écoutez, je suis très heureux de vous retrouver de Bonsoir. nouveau ce jeudi soir. Voilà, on est à la synagogue Neve Shalom, comme d'habitude, vous savez. À partir de 20h, on démarre le shiur. On vous attend en présentiel pour ceux qui nous voient sur la vidéo. Donc on est exactement au 106 avenue du Général Michel Bizot dans le 12e. Alors, parashat Vayishlach, c'est marqué Vayishlach Yaakov Malachim Lefanav. Yaakov, il a envoyé des anges devant lui. Esav arrive vers son frère Esav. D'accord, Arsa, c'est Zedom, dans le pays de Seir, où se trouvait Esav. Zedom, le champ de Edom. Maintenant, Yaakov va retrouver son frère, a priori. Ça va? C'est bon parce qu'il ne parle pas de ses parents. Il dit, il n'a pas pensé retrouver ses parents, ça c'était une chose sûre. Pas une pantoufle, hein. Une chose sûre, mais il pensait, mais il a eu peur de retrouver en fait Esav, qui était son frère. Alors c'est vrai que c'est redondant de dire Esav son frère, c'est redondant. Ouais, mais évidemment qu'il est frère, son frère c'est Esav. En fait, il faut comprendre derrière tout ça qu'il avait peur de retrouver Esav, qui était son frère. Maintenant, je ne sais pas, est-ce que je dois trouver le persécuteur? Ma mère m'a dit en partant, tu sais, ils vont te tuer, etc. Donc, Esav, c'est la représentation de celui qui veut éliminer Yaakov. Et d'un côté, j'espère qu'il va être mon frère. Mais je ne sais pas. Ça va? Le problème qu'on a, hein, c'est d'expliquer les doutes. Pourquoi on doute dans la vie? Ouais. Ici, on ne sait pas. Tu ne sais pas qui tu vas retrouver, n'est-ce pas? Pourquoi c'est un terrain qui amène à penser le pire? Hachem, il lui a dit, là où tu iras, je te protégerai. Il n'y a pas à quoi douter. À part ça, il s'est passé tellement d'années, 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 36 ans, il s'est passé entre le moment où il part de chez ses parents et il le retrouve ses parents. 36 ans de sa vie. Il ne s'est rien passé, d'accord? La probabilité qu'il y ait un danger est très faible, n'est-ce pas? Et donc ce qu'Hachem a promis, qu'il va le sauver, il va l'aider, c'est ce qui se réalise, n'est-ce pas? Pourquoi tu doutes? Oui, pourquoi dans la vie, dans les perspectives qu'on a futuristes, on ne sait pas, on hésite, on. En fait, le doute, c'est un révélateur de défaillance. Le doute, c'est un révélateur de faiblesse. Parce que si tu es sûr de toi, si tu as l'assurance de ce que tu veux faire, si tu te sens fort dans tes convictions et dans tes choix, il n'y a pas de quoi douter. D'accord? Donc en fait, le doute, c'est quoi? C'est l'expression de ce qui dérange à l'intérieur de soi. On n'est pas sûr de soi. Peut-être on manque d'assurance. Peut-être qu'il y a quelque chose en nous qui nous fait être défaillant. Ouais, ça peut être de la peur, mais de la peur, c'est un terrain, d'accord? Donc ici, il faut bien comprendre qu'il a peur de retrouver Esav. Et qu'est-ce qui se passe? Il envoie des anges. Ouais, on lui fait dire que finalement, si tu pensais retrouver ton frère, eh bien, tu vas retrouver Esav. C'est-à-dire que pour l'instant, jusqu'à présent, il ne s'est rien passé. Et tout à coup, on voit, hein, ouais, qu'il se passe des choses incroyables. D'accord? Et donc, qu'est-ce qui se passe? En fait, il va retrouver ce qu'il n'espérait pas, en fait. N'est-ce pas? Il va retrouver ça. Mais c'est pas ça ce qu'il voulait. Il ne voulait pas retrouver ça, il voulait trouver son frère. Ouais, qu'est-ce que ça nous dit à nous, ça? Ouais, qu'est-ce qu'on apprend de là? Jacob, il pensait retrouver son frère, il espérait retrouver son frère. Mais finalement, on lui dit, non, c'est pas lui que tu vas retrouver, c'est Esav que tu vas retrouver, le persécuteur. Il n'est pas venu seul, il est venu avec 400 hommes. Donc ça veut dire que ça y est, c'est fini pour Jacob avec nous, c'est terminé. Pourquoi ce qu'on n'espère pas, c'est ce qui nous arrive? Dans la vie, des fois, on se dit, ah, j'ai là, et puis finalement, c'est pas exactement comme j'ai pensé, ou du moins, c'est même l'inverse de ce que je voulais. Comment c'est possible? Ouais, comment ça s'explique ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'Hachem, il veut faire vivre à Yaakov et nous dans cette expérience? Qu'est-ce qu'Hachem, il voulait nous faire vivre lorsqu'on a des doutes, ouais, et que des fois, on est confronté à ce qu'on voulait pas, en fait? Ouais, c'est ça, ouais. En fait, le problème, c'est que Yaakov, il a un vrai souci avec son frère, mais qui est Esav. C'est un problème, Esav, c'est un problème, oui. En fait, vous devez comprendre que ce qu'Hachem envoie, ce n'est pas un problème. C'est le résultat de ce qu'on n'aurait jamais dû avoir. C'est-à-dire d'avoir peur d'Esav. Donc c'est quoi ma thérapie? Bah, c'est de me battre contre ce que j'ai peur. Vous avez compris ça? Donc moi je crois que c'est un problème. Ce que vous allez vivre, ce qu'on va vivre tous dans des expériences personnelles, c'est un problème. En vérité, c'est pas un problème. Comme ça, Hachem dit, bon, si tu as peur de ça, alors tu vas t'y confronter. Et c'est toi qui vas le solutionner. Donc ce que Hachem propose dans la vie, c'est pas un problème, c'est la solution à mon problème. Et moi je croyais que c'était un problème. Si tu n'as pas confiance en toi, si tu as peur de ce que tu sais, alors il faut que tu t'y confrontes pour te rendre compte que c'est faux. Ou du moins, hein, ça peut être solutionné autrement que ce que tu croyais. Ça va? Donc c'est ça qu'Hachem voulait lui faire vivre.
tu vas vivre une expérience qui va être la thérapie de ton vrai problème personnel. Et c'est ce qui va. Et ça, il va arriver avec 400. Quand il apprend 400 hommes, la Torah nous dit qu'il a eu peur. Ben évidemment, il avait peur de mourir. Ouais, c'est marqué Vaïra, mais Yaakov, mais Vaïra, Yaakov, mais Yaakov a eu très très peur. Vaïtserlo, et il a été inquiet. Et donc, Vaïra, c'est à ma chérie, tout. Donc, qu'est-ce qu'il a pensé faire tout de suite quand il a su que ça va arriver? Il a dit il faut que je coupe le camp en bœuf. Son camp, c'est vers sa famille, quoi. Ça veut dire ses femmes, ses enfants. Ouais, tout ce qu'il avait, tous les biens qu'il avait, les domestiques, les servants, les machins, toutes les servantes et tout ce qu'il avait, quoi. Il fallait couper en deux. Il fallait couper en deux. C'est très compliqué de couper en deux. Il fallait faire un choix. Il fallait dire cette femme, elle va de ce côté et l'autre, elle va de l'autre côté. Cet enfant-là, il va là et l'autre, il va là. C'est très dur de choisir. Très, très dur de choisir que telle femme, elle ira là. Ouais, en sachant que, sans être certain, qu'il va, il va pas attaquer ce camp, il va attaquer ce camp. En tout cas, la guerre. Que propose Yaakov, c'est pas une guerre de combat, de chars et de... Non, c'est une guerre de se dire on sauve ce qu'on peut. C'est bizarre comme guerre. On n'est pas dans la confrontation. Ouais, c'est bizarre. On n'est pas dans la confrontation. On est dans essayer ce qu'on peut sauver. Alors, il faut comprendre pourquoi ça se passe comme ça. Pourquoi Yaakov, il a décidé, ouais, que dans cette difficulté qu'il a d'affronter sa réalité à lui, c'est pas jamais d'être frontal. Jamais. On sauve ce qu'on peut pour l'instant. Comme si qu'il voulait gagner du temps. C'est intéressant. Il voulait gagner du temps. Là, c'est marqué Vaïra Yaakov Meod. Yaakov, quand il apprend ça, il lui est très peur. Peur de quoi? Rachid dit qu'il avait peur de mourir. Vaïra Shema Yareg. Il a eu peur d'être tué. Ensuite, c'est marqué Vaïtserlo. Il a été inquiet pour lui. Il a eu peur de tuer les autres, dit Rachid. Il n'a pas seulement eu peur de mourir. Il a eu peur de tuer les autres. Et ça, c'est bizarre. Ouais, parce qu'il y a une mitzvah de se défendre. Ouais, il y a une mitzvah de se défendre. Il y a même une mitzvah de sauver sa vie, n'est-ce pas? Balor Gecha, Shkem Lorgo, quelqu'un qui veut te mettre à mort, il faut te défendre. Lève-toi et tue celui qui veut te tuer. Ça fait partie de la défense personnelle qu'on doit avoir dans sa vie, c'est ça, ouais? Et là, bizarrement, il a peur de tuer. C'est bizarre qu'il ait peur de tuer. Peur de mourir, je comprends. Peur de tuer, je comprends pas. Peur de tuer les autres. Alors écoutez-moi bien. Il y a toujours deux façons d'analyser sa vie. Ben dans le cas de Yaakov Avinu, soit tu es un stratège, tu es un militaire, tu fais partie de l'armée. Ouais, tu dis, bon ben, si c'est comme ça, on va s'armer, on va se protéger, on va mettre des sacs de sable autour de nous. Voilà ce qu'on va faire. Et on va tirer, si c'est possible, on tirera. Voilà, c'est ça. Mais il y a une autre façon de voir. Ben, la façon religieuse. Ça veut dire, on est croyant, n'est-ce pas? Donc si on croit Hachem, qu'est-ce qu'il veut Hachem? Hein? Qu'est-ce qu'il veut? Bah, jusqu'à présent, il m'a protégé, mais là, manifestement, il ne me protège pas, quoi. Ouais. 400 hommes, c'est sûr que c'est fini, quoi. Il va lui faire sa fête. Ouais. Et c'était ni la part de Mifa de son fils. Hein? Il n'a invité personne. Et là, tout à coup, 400 hommes qui arrivent, ça fait trop. Ouais, où est-ce que je vais les mettre? Mais vous avez compris qu'il a peur, ouais. Il a peur de tuer. En fait, il a peur de quoi? Mais qu'est-ce qu'il veut, Hachem? Alors, je vous explique. Si quelqu'un il vit un truc pareil, la question qu'il doit se poser, c'est la suivante. Mais qu'est-ce que j'ai pu faire pour que ma vie soit remise en cause? C'est pas que j'ai perdu de l'argent. C'est pas que j'ai eu peur de... Je sais pas moi, de rater mon avion. C'est pas que j'ai eu... Non, non, ça y est, c'est fini. C'est-à-dire sa mort, sa vie, elle s'arrêtera là. Vous avez compris de quoi il a peur, Yaakov? Et la peur qu'il a, hein, c'est de se dire, mais qu'est-ce que j'ai pu faire dans ma vie qui remet ma vie en cause? C'est ça qu'il est en train de se poser comme question. Il a eu peur de quoi aussi? Il a eu peur de se dire, attends, il y a eu Avraham, il y a eu Yitzhak. Avraham, il a fait un travail, ouais, qui a été acquiescé par Hachem, il a eu Yitzhak. Yitzhak, il a été acquiescé par Hachem, il y a eu Yaakov. Et Yaakov, il a eu 12 vatim, et ces 12 vatim sont censés être 70 personnes qui vont rentrer en Égypte un jour, et que le clan Israël, va naître de ces 70 personnes. C'est ça qui va se passer. Donc il a une mission, Yaakov. Il dit, mais si Hachem m'a dit que c'est terminé, ça veut dire que j'ai raté ma mission. Ça veut dire que ma raison d'être n'a plus lieu d'être. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est très profond, c'est très fort. C'est une autre façon de penser, ça. Hein? Ouais, ça veut dire que c'est pas en train de me dire, mais hein, comment je vais me défendre? J'ai peur de mourir, ça veut dire que j'ai peur d'imaginer, mais qu'est-ce que j'ai pu faire dans ma vie pour que ça puisse entraîner un truc pareil?
Ça va? À part ça, a peur de tuer, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que Yitzhak, quand il a béni Esav, il a fait deux brachot à Yaakov, en fait, Yitzhak. Il a fait une bracha qu'il avait pensé donner à Esav, il a donné à Yaakov, et finalement, il a fait aussi une bracha à Yaakov, en lui disant, tu sais, tu vas hériter la terre d'Israël, tu vas recevoir la bracha d'Abraham Avinu, voilà ce qu'il a dit. Ouais, donc la partie spirituelle, si vous voulez, de Yaakov, il l'a reçue en bracha parce qu'il mérite de la recevoir, et aussi la bracha d'Esav. Ouais. En fait, ce qui est surprenant, hein, c'est qu'il a, il a récupéré la bracha de son frère, qui est la bracha, la bénédiction, va être de la terre. Voilà, la terre. Ouais. Comme si qu'il y a deux choses qu'on doit revendiquer dans sa vie. Ouais. Il y a ce qu'on appelle, il y a le fond et la forme. Vous voyez, quand la Torah nous dit, vous savez, Yaakov, il était Yoshev ou Alim. En français, ça veut dire, il était installé dans la tente. Pour nous dire quoi? Il dormait tous les jours, il était fatigué. Hein? Yoshev ou Alim. Alors on dit, ouais, il étudiait la Torah. Mais dis-moi, il étudiait la Torah. Pourquoi tu dis qu'il était Yoshev ou Alim, s'installa dans la tente? Il était installé dans une tente. Pourquoi tu ne me dis pas simplement, il étudiait la Torah? Et l'autre, tu dis, Ishadé, un homme des champs. Ouais? Ben dis-moi qu'il était agriculteur, qu'il était berger, je ne sais pas, moi, dis-moi son métier. Un homme des champs. Oui. Tu me parles de quoi? Ben là, tu me parles de où il se trouvait. Et tu me dis de l'autre, où est-ce qu'il se trouvait? Ben là, il se trouvait dans une tente, enfermé dans une tente. Et l'autre, il se trouvait à l'extérieur dans la tente, dans les champs. En fait, qu'est-ce que la Torah voulait nous dire? Pourquoi tu ne dis pas ce qu'il faisait? Non, tu lui dis où il se trouvait. Parce qu'en vérité, c'est ça le problème. Où tu te trouves? Là, il dit, moi, je vais me trouver à l'intérieur. D'une tente, je vais rester à l'intérieur. Et l'autre, il dit, mais j'ai rien à faire dehors. Dedans, je vais tout à faire dehors. Ça veut dire qu'il y a la partie extérieure de soi, ce qu'on appelle la forme, et il y a la partie intérieure de soi, ce qu'on appelle le fond. Il y a le corps et la neshama, ouais, mais il y a le fond et la forme. Qu'est-ce que tu veux défendre? Yaakov, il dit, moi, je veux défendre le fond. Vous savez, quand il est là, ouais, quand Yosef, il retrouve ses frères qu'il avait vendus esclaves, alors qu'il a passé 12 ans de sa vie en prison et toutes les pérégrinations qu'il a dû subir, le pauvre, ouais. Je sais pas, moi, j'aurais eu des frères pareils, qu'est-ce que vous avez fait, vous? Ouais. Treha. Treha, c'est. Je me serais vengé contre eux, ouais. Ouais. Il s'est vengé? Non. Comment c'est possible? Vous savez pourquoi? Parce qu'il a essayé de comprendre le fond. Ouais. Qu'est-ce que j'ai dû subir? Pourquoi j'ai dû subir un truc pareil? En vérité, ils ont été que des intermédiaires. Je veux leur en vouloir. Je touillote, ouais. Par contre, si je suis formel, moi je vois que la forme, je dis, ah, je vais me venger contre eux. Vous avez compris? Vous avez compris? Quand Caïn est tué Evel, il a pensé tuer un homme. Oui? Oui? Dans la forme. Hachem dit, mais tu plaisantes. Temer Kichasu Akimelaï, laissant de ton frère crier vers moi. C'est-à-dire, t'as tué des millions de personnes derrière. Mais quels millions de personnes? Ben, tu penses bien que derrière cet homme, il y avait des hommes et des femmes. Et des enfants. Ouais? Tous les descendants qui devaient descendre de Evel, ils sont où? Ben non. Ben, t'as fait un génocide. Ah bon? Mais pas du tout. T'as tué un homme. Mais non. Tu as tué tout ce qui devait naître de lui. Mais ça se voit pas. C'est ce qu'on appelle le fond. Il faut pas rester formel dans la vie. C'est ça. Donc on a deux personnages. Un qui est de fond et un qui est de forme. Yoshev Oalim. Il est installé à l'intérieur. Tout se passe à l'intérieur. Après, ce que tu vas faire, c'est ce que tu es. Donc tout se passe à l'intérieur. N'essaie pas de corriger dehors. Essaie de corriger dedans. Ça va? C'est ça. Et donc, qu'est-ce qui se passe? En fait, Yaakov, il voit son frère arriver. Mais Yitzhak, il a fait une bénédiction à son fils Esav. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il dit, tu sais quoi? Je vais te donner un sabre entre les mains. Becher becha tichye. Tu vivras par le sabre. Lorsque tu verras tes frères faire des avérotes, des fautes, ouais, alors tu auras un prétexte dans ta vie. Quel prétexte? Tu pourras prétexter et dire, mais moi, je n'ai pas reçu la bracha, ni la bechora, mon droit d'aîné, je l'ai perdu parce que je suis un rachat. Et soi-disant, Yaakov, c'est un tzaddik. Maintenant, si tu vois que Yaakov, il n'est pas tzaddik, comme il le prétendait, ou comme on l'a prétendu, alors, tu pourras prendre ton sable et taper dessus. Tu auras un prétexte. Quel prétexte de dire, ah, s'il était tzaddik, j'aurais compris qu'il m'a pris ma bracha et ma bechora, mais s'il ne l'est pas, pourquoi il aurait plus de privilèges que moi? J'ai dit, t'as raison. Tu vas prendre ton sable, tape dessus. Ça veut dire que Esav, ça veut dire que l'antisémitisme, ça veut dire que l'agressivité extérieure, elle ne vient du fait que notre décadence personnelle. Si on n'est pas décadent, Esav ne peut rien contre nous. C'est ça qu'il a dit Yitzhak Avinu à son fils Esav. Dorénavant, ta mission, c'est d'être. Hein? Non, c'est de faire que quand tu verras ton frère Yaakov, qui sera pas, il fera des avérotes, tu prends ton sabre et tu tapes dessus. Pourquoi ils savent?
pourquoi ils savent qu'ils représentent la nation occidentale, elle a cette mission aujourd'hui. Pourquoi? En vérité, pour deux raisons. Quand on fait des Averroth, c'est qu'on est en train de s'assimiler. Mais s'assimiler, c'est devoir aduler ce qu'on aurait voulu être, c'est-à-dire comme les nations. Alors qu'est-ce que fait Hachem? Il dit, écoute, prends ton sable et tape dessus. Mais je dis, mais c'est le contraire qu'ils auraient dû faire. Au contraire, ils auraient dû nous proposer des fleurs. Eh ben non, ils vont venir avec des sabres. Ils vont dire, t'es un sale juif. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi? En fait, c'est un rempart. Parce que si t'avais pas dit sale juif, tu te serais assimilé. Alors Hachem, il t'a prévenu, fais attention. T'as compris? Et eux, c'est eux qui vont te dire que ça va pas. C'est Sav qui va te dire que ça va pas. Donc quand Yaakov, il voyait Sav arriver en sachant que son père, il a fait une bracha qui viendra par le sabre, c'est forcément révélateur qu'il y a un problème. Vous avez compris comment ça marche? Quand tu vois qu'il y a des gens qui nous haïssent, il y a des gens qui nous persécutent, etc. Mais pour quelle raison? Ben oui, parce que vous dominez le monde. Voilà ce qu'ils nous sortent. Les juifs, ils dominent le monde, les banques, les machins, les trucs. C'est eux qui manipulent. Il y a des pantins autour d'eux qui manipulent. C'est eux les juifs qui font, voilà, c'est ça, les juifs. Bidon quoi. Mais qu'est-ce qui leur a fait croire une bêtise pareille? Vous avez compris quoi? Mais vous savez qui est-ce qui leur donne cette force? Mais pourquoi c'est comme ça? Parce qu'on les nourrit de notre défaillance. C'est ça qui est marqué dans Rashi. Quand tu verras les Israël faire des avérotes, alors tu prendras prendre ton sabre. Ça veut dire que la seule chose qui va justifier le pouvoir qu'ils ont contre nous, c'est parce qu'on est faible. Et cette faiblesse, elle les fait grandir. Vous avez compris? C'est ça qu'il a dit Shem à Rivka. Il a dit, « Olohom, milahom, yemat. » Ça veut dire, quand toi tu grandiras, eux, ils vont forcément descendre. Mais quand toi tu descendras, ils vont forcément monter. C'est ça les anges qui montent et qui descendent. C'est pas qu'ils montaient et descendaient, mais non. C'est que l'ange qui montait, il faisait descendre l'autre. Et quand l'autre montait, il faisait descendre le premier. C'est pas l'objet qu'il y avait des anges qui montaient et descendaient avec des échelles, non. C'est que l'un fait descendre l'autre. Celui qui monte, il va faire descendre celui qui est en haut. Et celui qui est en bas, il va faire descendre celui qui est en haut. Vous avez compris comment ça marche? Donc quand Yaakov, il voit Esav arriver, il a tout de suite compris qu'il a un problème. Il n'est pas en train de remettre en cause Esav, il est en train de se remettre en cause lui. Et la bêtise, ça serait de quoi qu'on va se débarrasser de l'autre? Tu dis, mais si je me débarrasse d'Esav, tranquille, ça va, j'aurai plus d'ennemis. T'as rien compris. Esav n'est qu'un signal d'alarme pour te dire que tu vas pas. Ça va pas. Donc tu dis, bah si ça va pas, c'est ton problème. Tu dis, bah ouais, mais si je tue ça, j'ai pas de problème. Mais non, au demain, ça sera autre chose. Lui, c'est aujourd'hui, c'est lui, demain, ça sera quelqu'un d'autre. Parce que tant que tu n'as pas résolu ton problème interne, il y aura tout le temps quelqu'un qui viendrait te rappeler que ça n'a pas été. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est pour ça qu'il a eu peur de tuer. Parce que de avoir peur, parce que de dire, je vais le tuer, c'est comme si qu'un type, il va recevoir un courrier. Ouais, et il n'est pas content parce que ce qui a marqué dedans, ça c'est parce que ça lui plaît pas. Alors il est tellement fâché qu'il déchire la lettre. Mais déchirer la lettre, ça ne va pas résoudre ton problème. De tuer Sav, c'est un courrier, ça ne va pas résoudre ton problème. J'ai peur de tuer. Vous avez compris pourquoi il a peur de tuer? Mais il dit, mais défends-toi. Mais je sais pertinemment que c'est faux. Le problème, il n'est pas là, le problème, il est plus interne. Au Yeshev, au Anim, c'est quelqu'un qui réside dans l'attente. Il sait bien que tout se passe dedans. Il sait bien que toute la raison d'être, elle n'est pas dehors, elle est dedans. Ça va? Et donc c'est ça qu'il a compris encore. C'est pour ça qu'il a eu peur. Il a eu peur pour lui. Parce qu'il dit, mais qu'est-ce que j'ai pu faire dans ma vie qui en met à côté? Donc il est en train de réfléchir et de savoir qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui se passe en moi qui fait qu'Hachem, il m'a dit, c'est terminé. C'est ça qu'il lui a dit à Hachem, c'est incroyable. Et d'un côté, il se dit, mais la solution, ça serait que je détruisais Sav et j'aurais pas de problème. C'est faux, ça aussi, c'est faux. Parce que tout est à l'intérieur. Ouais, que ce que tu vois n'est que la projection de ta décadence. Ce que tu vois dehors, l'écran que tu vois dehors, ouais, l'information que tu as dehors, c'est simplement le reflet de ce qui ne va pas chez toi. Tu sais dorénavant que l'un, quand l'un il monte, l'autre il descend, c'est comme ça. Et ton père, il a filé un sabre. C'est ça que ça veut dire. Donc il a peur de ça. La Torah nous dit qu'il va se préparer. D'accord? Qu'est-ce qui va se passer? Il y a marqué dans la Torah, hein, comme ça. Vayakom balaïlaou. Il s'est levé cette nuit-là. Donc il apprend dans la nuit que son frère arrive. Il s'est préparé à la nuit. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris ses deux femmes. Ses deux servantes. Et ses 11 enfants. Il a traversé le fleuve du Yabok. Il les a pris, il les a fait passer. Et le fleuve. Il a fait passer tout ce qu'il avait. Et là, c'est marqué. Quand ça sonne.
Qu'est-ce que c'est quoi? Et c'est marqué comme ça. Là, c'est marqué Vaïvater Yaakov Levado. Yaakov s'est retrouvé seul. Il était seul. Il y avait ses femmes, il y avait ses servantes, il y avait ses enfants. Il y avait son. Seul dans sa décision. Comment il a toi, il s'est retrouvé seul. Alors Rachid explique. Il est retourné de l'autre côté de la rive pour récupérer des parkinktanim, oui, des petites fioles d'huile. Il était riche ou pas, Yaakov? Mais millionnaire. Il s'est millionnaire, il était avec tout ce qu'il a récupéré de Laban, tout ce qu'il a, il a vendu, il a fructifié énormément, il était très riche. Mais là, de l'autre côté de la rive, là-bas, il y avait des petites fioles d'huile là-bas qui restaient à 3,50€ là, chez Lidl. Ouais. Il dit, je vais les récupérer. Mais il s'est mis en danger. Quelqu'un qui sait qu'il y a un danger. Il s'est retrouvé seul, il s'est mis en danger. Tu vas chercher des fioles d'huile, toi? Ouais. C'est pas grave. Là-bas, l'Agma, elle dit, le Midrash, il dit ici que les tzadikim, mamonam, leur argent, raviv aleem yoter migoufam, que leur argent, il est plus cher à leurs yeux que leur vie. De là, on l'a tiré. Comme ça, dit le Midrash Rabba. Où c'est marqué ça? Dans le chasse. Ouais. Il y a Gemara dans Soda d'Afudbet. L'Agma dit là-bas hein, que la mère de Moshe Rabbeinu, qui était Yochebed, ouais, lorsqu'elle a couché prématurément de Moshe Rabbeinu, elle a couché au 7e mois. D'accord? Voilà. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Elle savait à l'époque que si elle devait accoucher d'un garçon, il serait jeté au Nil et il serait tué, jeté au Nil. Donc elle arrive au 9e, donc ils vont arriver, les soldats vont arriver, les Égyptiens, ils vont me demander si c'est un garçon ou une fille, qu'est-ce que je vais faire? D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'elle a fait? Donc elle a gardé le 7e, le 8e et le 9e mois, et là, elle est obligée de fabriquer un berceau pour le mettre dedans et le mettre au Nil. Ça va? Vous savez ce que dit l'Agma? Elle n'a pas pris du bois. Elle a pris de moins cher. Bon, bien sûr qu'un bois qui ne va pas couler, hein. Elle a fait un petit berceau, bon, mais elle a mis ce qu'elle pouvait, elle a mis le minimum d'argent qu'elle pouvait. Et de là, pourquoi elle m'a dit, pourquoi elle a fait ça? Parce que mamonam, chaviv aleihem yoter migoufam, parce que leur argent, il est plus cher que leur vie. Maintenant, ce qui est bizarre, c'est que Yochebed, lorsqu'on lui a dit, tu sais quoi, quand un garçon accouchera, tu le tueras. Pour les enfants des autres, elle est prête à sacrifier sa vie. Lorsqu'elle a accouché de Moshe Rabbeinu, elle a vu une lumière incroyable, l'Agma dit qu'il y avait une lumière dans sa chambre. Elle a compris que c'était un enfant spécial. Sa fille, elle lui dit, tu sais, c'est lui le sauveur d'Israël. J'ai prophétisé. Et pour lui, elle ne va pas mettre un peu plus d'argent, hein? Plus de sécurité, plus d'assurance, non? Non? Non. Mais minimum. Pourquoi? Pourquoi les tzadikim, leur argent est plus cher? Alors là-bas, ils expliquent, et c'est ça qu'Yaakov nous apprend ici. Le rapport à l'argent. Hein? L'argent, ça vient, ça va. Et quand ça va, et quand ça vient, ça va. Mais non, en fait, c'est ça. Non, mais il faut comprendre ce rapport à l'argent. Pourquoi pour eux, c'est plus important que leur vie, carrément, plus important que leur vie. Alors là-bas, ils expliquent une explication que j'ai vue dans Rav Char, il expliquait comme ça. Imaginez quelqu'un, il fait des recherches archéologiques. Ça va? Et il fouille, il trouve un sidour sous la terre, un livre de prière. Et comme ça, il dépoussière et tout, et il ouvre la première fois, Adam Harishon. Wow! Il a trouvé le sidour dans lequel a pris Adam Harishon. Wow! Bon, il est propriétaire de ce livre, tu vois, il a bien nettoyé, bien arrangé, il est bien dans un coffre-fort spécial et tout. Et puis la chose a été sue. Il y a un type qui vient des États-Unis là-bas, qui a ouvert un musée à New York. Il dit, écoutez, ce livre est exceptionnel, il nous le faut dans le musée, celui-là. Combien vous le vendez? Il dit, pardon? Combien? Dites-moi un prix, n'importe quel prix, je vous l'achèterai. Il dit, mais pas vendable, c'est incommensurable la valeur de ce livre. Il n'y a pas de prix. Alors le Rav Shach, il a dit comme ça. Vous savez, disons qu'on est Mahamine, que la parnassa, tout ce qu'on gagne, ça vient d'Hachem. Ouais, c'est marqué dans l'Agma dans Betzadav Tetzahin, l'Agma dit que Mezonotav chez la dame, Ktsuvimlo, elles ont été fixées, Mi Rosh Hashanah, Le Rosh Hashanah. Ça va? Oui. Donc,
À la fin du mois, j'ai reçu un chèque. De qui j'ai reçu le chèque? D'Hachem. L'argent, il vient d'Hachem. Ouais. Maintenant, si déjà le sidour d'Adam Arishon, t'as du mal à t'en séparer, hein. C'est dur. Hein. Tu dis, tu peux me passer une feuille? Même pas, ouais. Non. Ah, une feuille, non, c'est pas possible. Tu es très attaché à ce livre. Mais comment ça se fait que tu n'es pas aussi attaché que l'argent que tu as reçu d'Hachem? En vérité, si t'es Mahamine Behemet, si tu crois vraiment en Dieu, tu dis, c'est vrai, cet argent, il vient d'Hachem. Mais comment tu vas t'en séparer? C'est un truc de fou, quoi. Si déjà le sidour d'Hachem, t'as du mal à t'en séparer, alors l'argent que tu as reçu d'Hachem, mais a fortiori, t'as du mal à t'en séparer. Pourquoi, dit l'Agmara? Parce que l'eau pachetou idem begezel. Parce qu'ils n'ont pas volé cet argent. C'est sûr et certain que c'est l'argent qu'Hachem m'a donné. Donc j'ai un rapport à l'argent qui est très spécial. Je sais l'attachement que j'ai avec Hachem parce que je suis reconnaissant de ce qu'il m'a donné. Mais la preuve, c'est l'argent. Le billet de banque, c'est lui, en fait. Vous avez compris, hein? C'est comme le sidour d'Adam Arishon. Ce sidour, il fait le pont entre Adam Arishon qui n'était pas Lévi, le pont Lévi, ouais. Et moi, c'est lui qui fait le pont entre lui et moi, c'est vrai ou pas? Mais comment tu vas te séparer de ça? C'est ça qu'il demande, c'est ça. Les tzadikim, ils ont compris, ils ont cette valeur en eux. C'est très très difficile de se séparer de ce que Hachem nous a donné. Maintenant, si tu donnes l'argent. Si tu donnes la première page là, du livre d'Adam Arishon, si tu donnes l'argent, tu donnes une feuille, tu donnes tout ce que tu ressens pour ce livre. C'est très très dur. Donc si tu le fais, c'est une preuve d'amour que tu as vis-à-vis des personnes. Là-bas, hein, le Rav Shmulevitz, il a mis une preuve de l'Agma dans Moed Katan. L'Agma dit là-bas, hein, qu'une fois le Satan il est venu voir Rabbi Hiya, parce qu'il devait mourir. Il arrivait à la fin de sa vie. Mais Rabbi Hiya, il étudiait la Torah. Et on sait pertinent que quand on étudie la Torah, on ne peut pas mourir. Et donc il espérait, il avait fait tous des tralodas pour essayer de le tuer, et il n'arrivait pas. Ouais, de le préoccuper, qu'il arrête d'étudier, il n'arrêtait pas d'étudier. Qu'est-ce qu'il a fait, ce Satan? Il est venu en apparence d'un pauvre. L'Agma dit qu'il est venu comme ça. Il tape à la porte. Bonjour. Écoutez, voilà, j'ai pas de quoi manger. Le Satan, il vient en apparence humaine. Hein. Il dit, vous n'avez pas du pain à me donner. Et Rabbi Hiya, il dit, ok, donc il va chercher du pain, il lui donne du pain. Et sur ce, le Satan, il lui dit, si déjà tu me donnes ton pain, donne-moi ton âme. J'ai aucun rapport entre son pain et son âme. Il dit, je te donne toutes les baguettes du monde et laisse-moi tranquille. Ouais. Il a dit comme ça. Quand le Satan, il a vu comment il donnait du pain, il donnait pas du pain, il donnait sa vie avec. Parce que mon âme, Khabib, va l'amener à Migoufam. Il a dit, si déjà tu me donnes ton pain comme ça, donne-moi ta vie, c'est pareil. Vous avez compris? C'est le rapport à l'argent qui fait que c'est très difficile de me détacher de quelque chose que j'ai reçu d'Hachem. Alors si je te donne, je ne donne pas de l'astaka, ou je ne donne pas quelque chose, je donne ma vie avec. D'ailleurs, je donne la chose la plus précieuse que j'aurais voulu conserver, je te donne. C'est ça. Et donc, c'est pour ça qu'Yaakov, il a été chercher ces fameuses parim ktanim. Après, je vais vous expliquer pourquoi c'est profond, ça. Ouais. Il a risqué sa vie pour ces petites fioles-là. Se retrouver seul, là-bas. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire, se retrouver seul? Oui. Vaïvata, Yaakov, Levado, Yaakov s'est retrouvé seul. Ça veut dire quoi d'être seul? Oui. On dit d'Hachem, En Od Milevado. Il n'y a rien d'autre que lui. En Od Milevado. Oui. Donc le seul qui peut dire qu'il est seul, c'est qui? C'est lui. Mais nous, on n'a pas le droit de dire d'être. On ne peut pas être seul, nous. Hachem, il a dit à Adam, Lotov, ça n'est pas bien que tu sois seul. Mais pourquoi lui, il peut l'être et moi, je ne peux pas l'être? Pourquoi lui, il peut être seul? Mais nous, on ne peut pas être seul, il faut être accompagné, il faut toujours avoir quelqu'un avec soi, il faut toujours... Pourquoi? Pourquoi on ne peut pas se contenter d'être seul? Vous voyez? Lui, il peut l'être, mais nous, on ne peut pas. Alors, l'explication que j'ai pensée, c'est la suivante. Pourquoi lui, il peut se permettre d'être seul? Parce que tout ce qu'Hachem crée a besoin de lui. Si la terre, elle tourne, c'est sa volonté. Mais est-ce que lui a besoin de la terre? Est-ce qu'il a besoin de ce qu'il crée? Non. Par contre, nous... On ne peut pas se séparer de ce qui existe. Pourquoi? Parce que comment tu te définis? T'es intelligent? J'en sais rien. Vas-y, confronte-toi là-haut, tu verras. Est-ce que t'es généreux? J'en sais rien. Est-ce que tu es avare? Je sais pas. Est-ce que t'es bête? Je sais pas. Est-ce que t'es sensible? J'en sais rien. Mais c'est dans la confrontation que tu vas savoir qui tu es. Ça va? Donc on va mettre quelqu'un en face de lui. Ça veut dire que tu ne peux pas penser que tu n'as besoin de rien d'autre que toi-même. C'est ça que ça veut dire l'auto viot levado. Ça n'est pas bien de croire que je me contente de moi-même. Je me suffis à moi-même.
J'ai besoin de rien d'autre que de moi-même. C'est impossible. Parce que tu n'existes pas. Vous avez compris ça? J'ai besoin d'exister. Et exister, c'est faire exister. Autant que d'exister, c'est savoir que ma façon de réagir avec les autres est révélatrice de ce que je suis. Vous avez compris? Donc je ne peux pas dire que je suis seul. C'est impossible. Or là, Jacob, il s'est retrouvé seul. Donc il s'est retrouvé dans la position qu'Hachem, il est seul. C'est pour ça que c'est dangereux d'être seul. Parce que tu t'es pris pour qui? Vous avez compris ça? C'est ça le danger. Vous avez compris ça? Maintenant, hein, qu'est-ce que ça veut dire d'être seul? Alors, et en quoi c'est un danger? Dans le cas de Yaakov. Yaakov, il est en train de rechercher en lui. Mais qu'est-ce que j'ai pu faire qui me met en danger comme ça? Ouais. Qu'est-ce qu'il cherche, à votre avis? Mais il cherche une avéra. Il cherche un problème. Il cherche une décadence. Il cherche quelque chose qui va justifier sa mort. Quoi. C'est un truc de fou. Vous voyez? Mais c'est qui sa mort? En vérité, c'est sa faute. Et sa faute, c'est le Yetzer. Est-ce que vous croyez que si je vais réfléchir à mon propre Yetzer Hara, je ne vais pas me mettre en danger? Évidemment, puisque le Yetzer Hara, c'est l'inverse. Il veut pas que je vive. Donc il va s'acharner contre moi ou pas? C'est ça le danger. C'est-à-dire que quand je réfléchis, je fais une introspection, je me remets en cause. Moi, dans ma vie, je dis, mais attends, qu'est-ce que je vais faire demain? Je dis, bon, c'est bon, j'ai vécu, j'ai machin. Je m'assois, je dis, attends, je vais faire un petit bilan, Et je vais commencer à me poser pour essayer de réfléchir à ma vie future. Ou dire, est-ce que je dois évoluer? Est-ce que je dois faire ça? Est-ce que je m'engage? Est-ce que je m'engage pas? C'est ça, non? En vérité, je me retrouve seul face à moi-même. Et je me regarde dans la glace et je dis, mais qu'est-ce que je vais faire de moi? Je me mets quelque part en danger dans la mesure où je vais essayer de tendre vers une forme de réflexion sur moi-même. D'essayer de gommer, d'essayer de corriger, essayer d'améliorer. Et c'est tout l'inverse que ce que les Sarah, il espère de moi. Donc il va sûrement s'acharner contre soi. Vous avez compris ce qui va se passer? C'est ce qui est marqué là. Que tout à coup, Vayavé Kishimo Adolata Shachar. Il a lutté contre un homme jusqu'au matin. C'est qui cet homme? C'est lui-même, c'est lui. Il a lutté contre lui-même. C'est comme ça qu'on l'a formulé. Vayavé Kishimo Adolata Shachar. Rachid dit que c'est l'ange de Esav. Pourquoi nous dire que c'est un ange? Dans le Chazal, Chachamim d'expliquer que c'était un ange, alors que c'est un homme. Pourquoi cet homme, il n'a pas de nom? Ish. Il dit, oui, il s'est battu contre un ange. Il s'est battu contre, je sais pas, mais dis-moi quelque chose. Quelle identité il a, cet homme? Je sais pas. Ouais. Vous savez, quand on est perturbé dans la vie, en fait, je pense que on n'arrive pas à se définir. On n'arrive pas à se donner un nom. Cet homme n'a pas de nom parce qu'il y a comme, il ne se retrouve pas là-dedans. Il se comprend pas, en fait. C'est ça. Ishimo Adolata Shachar, il a lutté contre un homme, en fait, cet homme, c'est sa décadence, c'est sa défaillance. Il n'arrive pas à comprendre, mais il n'arrive pas à se donner un nom. Ça veut dire, je sais ce que je suis, et a priori, ce n'est pas ce que je devrais être, puisqu'il n'y a jamais eu un moment où il savait ça. Alors, qu'est-ce que je dois être? Je ne sais pas. Ouais. J'arrive pas à donner un nom à cet homme. C'est ça, Ishimo Adolata Shachar, peut-être. Il faut qu'il arrive à comprendre ça. Maintenant, on sait que ce mot Ish, on le retrouve dans la paracha de Toldot. C'est marqué là-bas que quand Yaakov il est sorti de chez Laban, ouais, c'est marqué Vaifrotz, il s'est fructifié à Ish, Meod, Meod. Il s'est fructifié cet homme, il est devenu très très riche cet homme, énormément, énormément, en parlant de Yaakov. Pourquoi c'est pas marqué Yaakov? Dis-moi, il s'est fructifié, Yaakov, énormément, énormément. Oui? Marqué Aïch. Comme si que cet homme, en fait, il n'est pas défini chez lui. Comme si qu'il n'avait pas envie. Comme si que ça le dérangeait. Comme si qu'il ne comprenait pas qu'est-ce qui lui arrivait. Comme si que c'était contraire à ses valeurs. Lui, c'est Aïch Evoalim, vous avez compris, c'est un intellectuel, c'est quelqu'un qui pense. Il a peur que la richesse, ouais, elle puisse avoir une influence sur son étude, sur sa vision du monde. Ouais. Il a eu peur de ça. Il a eu peur de quoi, finalement? Il a eu peur d'être Esav. Il a eu peur d'être dans la forme. C'est ça qui le dérange. Il est dérangé, il n'arrive pas à donner un nom parce que Hachem lui donne quelque chose qui, pour lui, n'a pas de sens. Il dit, je suis devenu très riche. Mais c'est pas ça que je voulais, moi.
Pourquoi vous croyez que Yitzhak il n'a pas voulu bénir Yaakov au départ? Et même la bracha qu'il lui a donnée, au final, c'était pas celle que c'était celle de Avraham Avinu, la terre d'Israël, la descendance. C'est très spirituel ce qu'il lui donne comme bracha. Mais pourquoi il lui donne pas la bracha de ce monde? Il dit parce que Yitzhak il pense que les tzadikim ils ont pas besoin de brachot. Au contraire. C'est quoi la bracha? La bracha c'est une aide. Hachem il va t'aider, il va te réconforter, il va te rassurer, il va, nan, nan, je suis avec toi. Ouais. Il dit mais je veux pas de cette aide moi. Je veux être capable de dire un jour ce que j'ai fait, je l'ai fait par moi-même. Je veux voir Hachem, je dis voilà ça c'est moi. Je veux ni une canne, ni une charrette, ni un vélo, ni machin, je veux rien. Ça va? Il dit mais c'est très dur ce que tu demandes. Mais c'est ça le produit de ton existence. Il faut que tu sois capable de dire j'ai réussi quelque chose sans aucune aide. Ouais. Si un type il arrive à se passer de ses parents et à se passer de l'argent des autres, etc., voilà, j'ai travaillé, c'est le fruit de mon travail, c'est le résultat de ce que je suis. Je suis fier de moi. Je dis, mais si tu es, comment tu peux être fier? L'autre, il t'a filé 40 000 euros, l'autre, il t'a trouvé le bâtiment, l'autre, il t'a trouvé le boulot, il t'a trouvé. Tu dis, mais arrêtez où là-dedans? Je dis, j'ai profité des autres. Non, je ne veux pas profiter des autres. Je ne veux pas la bracha. Je n'en veux pas de la bracha. Par contre, des gens qui sont fragiles, je peux comprendre ce qu'on leur donne. Donc ils savent qu'il est fragile, peut-être que le fait qu'il reçoive une bénédiction, ça va lui permettre de te reconnaître le bienfait qu'Hachem lui donne cette bracha, et c'est comme ça qu'il va faire teshuva en disant merci. Il va se sentir gêné de contredire Hachem alors qu'il lui a fait tous ses privilèges, vous avez compris? Là, lui, ça va l'aider, ok, super, mais moi, j'ai pas besoin de cette bracha. C'est comme ça qu'Yitzhak qui pense, et c'est comme ça qu'il y a un Covid. Quoi. C'est pour ça que quand sa mère dit, écoute, ton frère, il va prendre la bracha, il dit, mais il a été dire, mais au lieu de dire, ah bon, mais où ça, il est où mon père, il est où, qu'est-ce qu'on fait maman, comment je vais récupérer la bracha? Il dit, non, mais, il lui dit, mais comment je suis, il va me, s'il me reconnaît, c'est une catastrophe, il va me maudire. Mais pourquoi tu cherches à échapper? Pourquoi Yaakov, il a été obligé de se déguiser en son frère? Pourquoi Yaakov, il joue un rôle? Il dit, moi, je suis Yaakov, mais mon frère, c'est ça, vous avez compris? Mais pourquoi tu dis pas qui tu es? Parce que je ne me reconnais pas là-dedans. Je suis obligé de me déguiser pour faire croire aux autres que je suis cet homme, alors que je ne le suis pas. Ça me dérange. À un moment donné, je dois me dire, ça me dérange. Quand je dis à quelqu'un, mais pourquoi tu ne fais pas plus de mitzvot, tu t'engages pas? Je dis, ah, mais ça c'est pour les rabbins, ça c'est pour les orthodoxes, on est pour les mitzvot, on est pour orthodoxes, nous. Ouais. Tu dis, mais j'ai l'impression de me mentir, j'ai l'impression que ce n'est pas pour moi, C'est pas moi, il faut pas exagérer, je connais mon passé, je connais machin, donc je suis complètement étranger à tout ça, c'est pas pour moi, ouais. En vérité, peut-être ça vaut le coup que tu te déguises. Pour essayer un jour d'appartenir aux vêtements que tu t'es donné un jour. Ça vaut le coup, ouais, peut-être. C'est ça qu'Yaakov a fait, il s'est déguisé en fait, c'est pas lui. Alors Hachem va faire que ce vêtement, il va faire partie de toi un jour. Ce que tu pensais, ouais. C'est quoi le vêtement? Le Zohar, il dit que le vêtement, c'est Esav. C'est-à-dire la représentation physique de ce qui doit être à l'extérieur, c'est lui. Et toi, c'est l'inverse. Toi, c'est l'Neshama. Mais il a dit, mais puisque ton frère, il a refusé d'être la forme, alors il faut que tu prennes la forme, avec le fond. Qui c'est qui revendique la forme? Vous savez qui revendique ça? On dit le Zohar, c'est l'égoïme. Comme si qu'on leur avait pris la forme. C'est très intéressant. Ils vont tout le temps dire, mais vous vous prenez pour qui? Et vous êtes plus intelligent que nous, vous êtes plus machin, et c'est vous qui rayonnez dans le monde, et machin. En fait, c'est quoi le truc? Mais je dis, mais attendez, vous imaginez qu'on a eu Pfizer, d'accord? Je sais pas combien de millions de personnes ont été sauvées par ce vaccin. Hein? C'est qui cet homme, Pfizer? C'est qui cet homme? Hein? C'est le fils d'un rescapé de la Shoah. Je sais pas si vous vous rendez compte. C'est-à-dire que si son père était mort dans les camps, on n'aurait pas eu de vaccin. Au lieu de dire, ah merci beaucoup, vous avez sauvé la vie, Baruch Hashem. Ouais, encore un juif. Oui. C'est comme le Titanic, ouais. À cause de quoi il a coulé, à cause de quoi il a coulé? Hein? Un iceberg, encore un juif. C'est dingue, hein. Tous les prétextes sont bons, c'est un truc de fou, hein? En plus. Mais ça veut dire que, en plus, il était invincible ce bateau. Mais le jour où il est descendu, il a coulé. Hein, c'est dingue. Mais ce que je veux dire par là, c'est que on voudrait nous récupérer notre vêtement, la forme, on voudrait nous récupérer. Le prestige, le machin, la réussite. C'est la forme, en fait. Au lieu de dire, si tu as des compétences qui nous permettent de vivre avec, Baruch Hashem, dans le fond, on devrait t'aduler.
Ah, c'est le contraire. On veut te tuer. Ça va, on veut t'éliminer, on veut te... Tu nous déranges. Vous avez compris, on est jaloux, on est machin. Bêtise. On va éviter cette jalousie, cet antisémitisme, il est né de nos erreurs. C'est ça qui est marqué ici. Ça va? Donc c'est pas eux que tu remets en cause, c'est toi que tu remets en cause. Et si tu t'arranges, ils vont s'arranger avec. Parce que si tu montes, ils descendent. Et c'est parce que tu descends qu'ils sont montés contre toi. Et donc qu'est-ce qui va se passer? Il va lutter contre lui-même en fait. Il va essayer de trouver en lui qu'est-ce qui dérange. Et en quoi cette partie des saves, elle dérange chez lui? Il faut qu'il remette en cause cette chose-là. Ouais. Ce qu'il a accepté en vérité physiquement, il faut qu'il l'accepte aussi mentalement. Ce qu'il a du mal à faire. Qu'est-ce qui va se passer? Il a vu cet ange qui pouvait rien contre lui, bah, comment on luttant contre lui. Mais le mec, chez la Khani qui a la Shacha. Sur ce, il lui dit, écoute, laisse-moi partir. De toute façon, je peux rien faire. Parce que le jour se lève. Va yemer loïcha le chacha, je te lâcherai pas. Kim berartani, que lorsque tu me béniras. Rachid nous dit que c'était le sar des saves. C'est le sar des saves, c'est qui? Bah, c'est notre ennemi juré, quoi. Le Yitzhara. C'est ça, hein? Est-ce que vous demandez des brachot à votre Yitzhara, vous? Hein? Moi non plus. Et là, il dit, je te lâcherai pas tant que tu béniras pas. Mais c'est pas à lui de lui demander brachot. Va demander à des rabbinim, va demander à des tzadikim, à des gens qui t'aiment, mais pas à des gens qui veulent te tuer. Ouais? Il dit non, je te lâche tant que tu ne béniras pas. On a du mal à comprendre. Il s'est battu avec lui. Et après le matin, il dit oh, je te lâche pas, il faut que tu me bénisses. Là. Attends, ça va pas là. Alors qu'est-ce que dit Rashi? Regardez ce que dit Rashi. Rashi dit Odali ala brachot shiberachani avi. Reconnais les bénédictions que m'a donné mon père. Chez Esav me'arer aleem, alors que Esav les revendique. Mon père, il m'a donné une bracha. Maintenant, mon frère, il les revendique. Je te demande de reconnaître que la bracha me revient. Je te demande de reconnaître que la bracha me revient, celle que réclame Esav. Il faut que tu reconnaisses toi qu'elle me revient. Je dis au Yitzhara, il faut que tu reconnaisses qu'elle me revient. Comme si qu'il a compris Yaakov que quoi? Qui c'est qui lui a fait croire qu'elle ne lui revenait pas? Toi Yitzhara, il dit mais c'est pas pour toi, toi t'es un tzadik, t'es un yitracham, ta. Ouais, t'as pas besoin de ça. Et c'est à cause de lui que je me suis fait avoir. Alors je vais me convaincre, en fait je vais le convaincre. Mais quand je dis, mais il faut que je le fasse ça, il faut que je fasse le Shabbat correctement, il faut que je me lève le matin à la tfila, il faut que je rate pas mincha, il faut battre, et je me répète, et je me répète, et je me répète à qui je parle. Mais oui, je suis en train de lui dire, il faut que tu reconnaisses que c'est plus possible maintenant. Il faut que tu reconnaisses que c'est plus possible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis tellement convaincu que je ne lui laisse aucun espace de croire qui va pouvoir pénétrer là pour me tromper. Vous savez qu'il y a un travail psychologique de répétition et de conviction personnelle. Parce que celui qui veut pas, c'est toi. Et celui qui devrait vouloir, c'est toi. Pourquoi tu veux pas? Vous savez, regardez, il y a Ora Chaim HaKadosh dans Parashat. Dans Parashat Ki Tetzé la Mechama. Là-bas, il dit... on parle de cet enfant rebelle. Vous vous rappelez cet enfant rebelle, ouais. Ben Sorer ou Moé. Il y a marqué Enenu Shomea Bekolavi Vekolimo. Il n'écoutait pas la voix de son père et de sa mère. Enenu Shomea. Là-bas, le Rachem Akadosh, il est marqué Enenu Shomea. Enenu Shomea. C'est quoi Enenu Shomea? C'est quoi cette formule accentuée de. Il ne voulait pas écouter ses parents. Alors il explique comme ça. Écoutez ce qu'il dit, un truc de malade. Il dit, quand un homme, il était mamlir, ça veut dire qu'il a rendu roi son Yetzirah. Ça veut dire quoi, rendre roi son Yetzirah? C'est qu'il est convaincu que ce qu'il pense, c'est juste. Ouais, c'est ce qu'il faut faire. En fait, il ne se rend pas compte qu'il a rendu roi son Yetzirah. Et regardez ce qu'il dit, le Rachaim HaKadosh. Il dit, quand ses parents lui parlent, il dit, mais fais pas comme ça, ça se fait, il faut pas faire comme ça, tu devrais écouter tes parents, etc. Il dit, tu sais quoi? Il dit comme ça, hein, le Yetzirah qui est dans son cœur, c'est lui qui refoule les paroles de ses parents pour les empêcher de rentrer dans son nefesh, dans sa conscience. Ça veut dire que l'expression d'un entêtement de Betsora Mori, c'est pas lui qui refuse en fait, c'est qui? C'est son Yetzirah qui l'a reconnu être juste, qui lui dit, si tu me laisses le droit, alors je retiens. C'est moi qui le fais vivre, le Yetzirah, c'est moi qui lui laisse la place. Mais exactement ça, ça veut dire que quand je dis, par exemple, quelqu'un il a une façon de penser, mais qui est en vérité fausse, malheureusement. En fait, il a rendu roi son héritier. Donc, quand le type, il vient lui dire, mais tu te rends compte de ce que tu fais, ça va pas ou quoi? Ouais. T'as des addictions à ça, tu te comportes mal avec ta femme, ouais. Il dit, mais de quoi je me mêle? Et d'abord, je t'en pose des questions, moi, ouais.
D'abord, arrange-toi avec la tienne, après tu viendras m'expliquer comment on arrange avec la mienne, ça va, etc., etc. Qui c'est qui m'empêche de dire, mais oui, t'as raison. C'est pas moi, c'est mon Yitzhara qui me dit, mais t'as vu comment il te parle, c'est pas, mais il est malade ou quoi, te laisse pas faire, réponds-lui. Ce que je suis en train de vous dire là, c'est Yitzhara, en fait. Et c'est lui qui empêche que la parole qu'il m'a dite, elle puisse rentrer en moi. Vous avez compris? C'est ça, c'est pareil ici. Yaakov, il sait au fond qu'il s'est trompé. Donc Yitzhara, il dit, mais bien sûr que tu as eu raison, tu es un grand sadique. Il faut pas qu'il y ait un centime, tu dois pas accepter des gens. Et qu'est-ce que ça veut dire quoi? C'est Rilou HM, qu'est-ce que tu vas représenter quoi? Les banquiers, les machins, ça va pas ou quoi? Le problème, c'est que tu as accepté les deux rôles. Vous avez compris la cohérence? C'est-à-dire que c'est très difficile d'accepter ce qu'on n'est pas. Mais il faut être capable de. Quand on évolue dans sa vie, il faut accepter ce qui est un peu plus au-dessus de soi-même. Tu dis, mais je suis un étranger, moi, c'est étranger à moi, tout ça, c'est pas pour moi, tout ça. Mais en vérité, pourquoi tu. Quoi, c'est pas mieux de démoncer dans ta vie quoi. C'est pas mieux d'être meilleur. C'est comme un type, il me fait un reproche. Je lui envoie balader. J'envoie balader. Peut-être du coup, je me mets devant. Ouais. Pourquoi je l'envoie balader? Alors que logiquement, s'il a raison, j'ai plus raison de me débarrasser de mon problème que de le conserver et de l'envoyer balader. C'est vrai ou pas? Et non, je l'envoie balader. Vous avez vu que c'est incohérent? C'est incohérent. Parce qu'on dit l'amour propre, tant je défends mon amour propre, mais c'est stupide. C'est comme si que ta chemise elle est sale. Tu dis, mais de quoi je me mêle? Elle est pas sale, elle est pas sale, c'est de quoi tu parles. Et bon, on va laver tes chemises toi. Ouais? Je dis, bah, elle est sale, va la laver, qu'est-ce qu'il y a? Ouais? On va laver ta tête, elle est sale ta tête, va la laver. Je dis, ah, de quoi je me mêle? J'ai compris, mais si c'est ça, tu prends. Tu dis, t'as raison, excuse-moi, je me souviens, je prends ma chemise, je mets la machine à laver. Ouais? Eh ben non, je mets pas dans la machine à laver, de quoi je me mêle? T'as compris pas? Mais t'as plus raison de te débarrasser de la saleté que tu portes en toi que de la conserver en prétextant que c'est pas grave et de mettre toi tes oignons. Hein? C'est lié de serre. C'est lié de serre à rat. C'est lié de serre à rat. C'est logique qu'il faille s'en débarrasser. Eh ben, Lina, débarrasse-toi de lui d'abord, c'est mieux. Ouais? T'as compris? L'amour propre commence à être trompeur. Mais en vérité, pourquoi j'y arrive pas? Parce que c'est mon Yitzhara qui est en moi qui me dit, mais te laisse pas faire, de qui il se met celui-là? Et puis regarde, et tu vas intelligemment, tu vas trouver des raisons qui vont faire qu'il va pas pouvoir te répondre. T'as compris pas? T'as compris pas? Et c'est pas toi en vérité, c'est ton Yitzhara. Parce que c'est pas logique. C'est pour ça qu'il faut pas rester seul. Bah, c'est sûr ça. Mais à part ça, ça veut dire aussi que c'est ça là. Il faut que j'arrive à me convaincre que c'est faux. Mais c'est cette conviction qui va me permettre de me muscler d'un côté et de refouler l'autre. Il faut que tu reconnaisses que la bracha me revient. Quand c'est que je me disais à moi-même, il faut que je reconnaisse que c'est ce que je dois faire. Il ne faut pas que je me laisse avoir. Il faut que j'accepte d'être sage. Il faut que j'accepte ce que Hachem m'a donné. Ok? Yaakov, et sur ce, cet homme lui dit, mais dis-moi, tu t'appelles comment? Il dit, mais je m'appelle Yaakov. Il dit, tu t'appelleras plus dorénavant Yaakov. Rachid explique, ça veut dire quoi? Il dit, dorénavant, on dira plus de toi que tu es un trompeur, que tu es un tricheur. Parce que Yaakov, c'est quoi Yaakov? Yaakvenizé par Anaïm. Il a dit, Esav, il a dit, mais mon frère, il m'a trompé deux fois. Yaakvenizé, Yaakov, Yaakvenizé par Anaïm. Il m'a trompé deux fois. Il m'a pris ma bechor, il m'a pris ma bracha, chazako baruch. Ça va? Il dit, on dira plus dorénavant que tu es le tricheur. Comme en vérité, les gens pensent qu'on est des voleurs, qu'on a trahi le bon Dieu, qu'on n'est pas le peuple élu, on est des menteurs. On a fait croire, soi-disant, alors que c'est faux. La preuve, on l'a fait le vaudeur. Ah, tu vois, alors Dieu, il t'a mis dehors. C'est ça qu'ils pensent. On a depuis longtemps, on est des tricheurs. Ça veut dire que les gens, ils nous regardent, les Oumat HaOlam, ils nous regardent comme ils savent nous regardent. Comme des tricheurs, comme des menteurs, comme des escrocs. Vous avez compris? On est malin, hein? T'as vu comment il fait, malin, hein? C'est comme ça qu'on nous regarde. Il dit dorénavant, on t'appellera plus comme ça. On t'appellera Israël. Pourquoi? Parce que Sarita im Elohim Anashim Atuchal. Parce que tu as lutté contre Elohim, contre Dieu, contre ce que Dieu t'a mis en toi. C'est toi, Yitzhara, tu as lutté et tu as gagné. Va Anashim et contre les hommes. Rachidi, la Van Esav. Et tu as gagné. Ça veut dire qu'il y a deux combats. Il y a un combat interne et un combat externe. Mais sache que Esav et la Van, ils sont là pour t'amener dans une forme de perfection de toi. Parce que c'est bien beau d'étudier la Torah. Yaakov Avinu, qu'est-ce qu'il a fait quand sa mère lui dit, écoute, sauve-toi chez ton frère, chez ton oncle, pardon, parce que ton frère veut te tuer, qu'est-ce qu'il a été faire? Ben, il est parti à la yeshiva pendant 14 ans de sa vie, sans s'allonger. C'est-à-dire, il a dormi sur une table.
Il n'avait même pas dit de s'allonger sur un lit. Comme si c'est marqué que quand il a dormi, là, Vaishkav Amakomahou, il s'est allongé, il a rêvé d'une échelle. Vaishkav, là, il s'est allongé, là. Mais jusqu'à présent, dit Rashi, pendant 14 ans, il ne s'était même pas allongé sur un lit. Tellement il avait l'amour de la Torah, il a tué la Torah. Super, Mazal Tov. La Torah, tu l'as dans la tête. Mais est-ce que tu es, Emmet? Est-ce que tu es vrai? Ah, il faut valider ça, mon vieux. Tu dis jamais, je sais, j'ai marqué dans les livres. J'ai compris, mais c'est, t'es pas le livre. Hein. Il faut que tu valides. Comment tu vas faire? Je dis, pas de problème. On va t'envoyer chez Lavan. Champion du monde de l'escroquerie. Comment tu vas rester Emmet avec un escroc pareil? Comment tu vas rester un homme Emmet, un homme vrai, dans la capacité que tu as de te confronter à un menteur, un tricheur, il va te rouler un pari. Est-ce que tu vas résister? Est-ce que tu vas être Emmet? Est-ce que tu vas voir derrière? Est-ce que tu vas devenir cet homme? Vous avez compris, la confrontation, c'est ça qu'il va devenir. Il va devenir un homme de vérité, quoi. Ça ne suffit pas de savoir. Il faut apprendre, c'est sûr et certain. Mais tu dis, bah, mais je connais, voilà, j'ai étudié, je connais. Non. Il faut que tu écoutes un cours, mais il faut que quand tu sors d'ici, dehors, c'est la rue. Hein. Il faut que ce que tu as entendu puisse t'aider à te confronter à ce qui se passe dehors. Est-ce que tu vas être la personne dehors ou de dedans? C'est toi qui décide. C'est toi qui décide. T'as compris? Il dit, tu t'appelleras plus Yaakov. Israël. C'est-à-dire qu'Yaakov, il a deux prénoms. Et les deux restent. Vous avez vu qu'Avram n'est plus Avram. Il est Avram. C'est fini, on l'appelle Avram. Par contre, Yaakov, il est resté Yaakov. Comme si qu'il y avait deux niveaux chez Yaakov. Il y avait le niveau que nous sommes, et on espère qu'on va devenir Israël. On va être capable de lutter, de comprendre. Mais tout se passe à l'intérieur. C'est ça. Vous avez compris, Yeshevoïm. Qu'est-ce qui va se passer? Ben maintenant, au petit matin, ça va arriver. Donc là, il va faire la guerre, hein. Il va le tuer, là, c'est fini. Oui. Tout à coup, Esav, il lui dit, c'est quoi ce que tu m'as envoyé? Il y a des gens, il y avait des cadeaux, des machins, je sais pas compris. Il dit, l'imsochen bedecha. Pour trouver grâce à tes yeux. Ouais. Voilà ce qu'il lui a dit. D'accord. Pour trouver grâce à tes yeux, il a dit. Il a dit, Il dit, à qui c'est tout ce que j'ai rencontré? Pour trouver grâce aux yeux de mon maître, comme fait Yaakov à son frère. Yaakov, il a dit, Yeshlirav. J'en ai trop, lui. J'ai trop. Franchement, c'est très gentil de ta part, hein, mais j'ai même plus de place dans mes placards. Ouais, il y en a trop. Et il a dit, Yé lecha asher lach. Que soit à toi ce qui est à toi. Qu'est-ce qu'il a dit, Esav? Il dit, j'en ai trop, hein. C'est très gentil, merci beaucoup pour les présents, les cadeaux, c'est gentil, mais je ne sais pas où je vais le mettre. Par contre, Yé lecha asher lach. Que ce qui était à toi te reviendra. Comme si qu'il attend de reconnaître que la bracha et la bechora qu'il a prise, je reconnais qu'elle te revient. Mais qu'est-ce qu'il lui a pris alors qu'il est arrivé au petit matin pour tuer Yaakov? Comment vous avez compris, vous, les juifs du 12e arrondissement de Paris? Il a pris sa bracha et il a vu que c'était un homme pieux, donc il s'est dit, c'est pas en vain, quoi. Mais c'est parce qu'il est pieux qu'ils veulent tuer. Parce que soi-disant, il est pieux, monsieur. Soi-disant, il est pieux. Ouais. Il a pris, il m'a roulé, il m'a magouillé, machin. Mais lui aussi, ça le rend pas. Ça le remet en question. Alors, je vais t'expliquer ce qui se passe. Et ça va arriver. Pourquoi il arrive? Parce que chez Yaakov, il y a un problème. Ouais. Yaakov, il a solutionné son problème ou pas? Alors, Esav, il ne peut plus le tuer. C'était qu'un courrier. Vous avez compris, quoi? Ça veut dire que la réalité n'est que la projection de ce que tu ressens. Si tu as peur, il va venir. Et si tu n'as plus peur, il va reconnaître. Et pourquoi il a dit ce qui est à toi restera à toi? Parce que c'est ce que j'ai réussi à faire dire à mon Yitzhara. Il faut absolument que tu reconnaisses que cette bracha me revient. Et je me suis répété. Et je fais un travail mental sur moi-même et sur moi-même. Je suis tellement convaincu qu'il ne s'arrête plus rien maintenant. Ça y est, je le sais. Alors tu verras que le type, il va me dire, écoute, ça te revient. Vous avez compris ce qui est marqué? C'est extraordinaire. Hein. C'est avec le travail mental que je fais sur moi-même pour me convaincre, influe la réalité, influe sur la réalité. C'est
c'est comme le pardon. Quand on pardonne à quelqu'un, on se pardonne à soi-même déjà. Mais ça veut dire que maintenant, c'est une réalité. Oui. C'est-à-dire qu'Essav, il vient avec 400 ans pour le massacrer. Oui. Le type, il dit, mais attendez, il nous a payé 1 000 euros chacun pour le tuer. Qu'est-ce qu'il faut, j'avais pas compris. Mais il dit, Khazak, Ogorot. C'est l'inverse qu'on est. Attendez, hier soir, il est venu me dire, on va tuer Yaakov, et là, maintenant, il envoie son frère, j'ai pas compris. Encore une fois, Essav n'a aucun pouvoir. Le seul pouvoir qu'il a, c'est celui qu'on lui a donné. Les vases communicants. C'est parce que ça va pas chez toi qu'il est monté. Mais si tu remets les choses en haut, il va redescendre. Il va même reconnaître. Vous avez compris ce qui se passe? C'est extraordinaire. C'est que si tu es convaincu, il peut rien t'arriver. Comme si que l'antisémitisme et tout ça, ce n'est que la projection de ce qui ne va pas chez nous. Quoi. Ça ne sert à rien de dire, ouais, on va se battre contre l'antisémitisme. T'as raison, ouais. En attendant, mais tu veux, il n'y a pas de problème. Mais de toute façon... Aujourd'hui, on dit, il y a eu la guerre 39-45, mais c'est terminé, maintenant les gens ont compris. Il y a 6 millions de juifs quand ils sont morts. Ça continue. Ça veut dire, comment ça se fait, ça continue, c'est pas possible. Mais qu'est-ce qu'il faut faire, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Mais c'est ça que ça veut dire, vous avez compris ou pas? C'est toi le problème. Il faut que tu sois juif à fond. Il faut que... Pourquoi? Parce que si tu l'es pas, qu'est-ce que tu sais ce que tu vas perdre? Tu vas perdre l'Olam Haba, tu vas perdre Hachem, tu perds tout. Alors, tu veux gagner cette terre et tu veux perdre le bon Dieu? Si vous mettez en balance la vie qu'on va vivre sur Terre, qui va durer 120 ans, et l'éternité, qu'est-ce que vous choisissez, vous? Alors, on choisit la vie sur la Terre. Ça va? Alors qu'on aurait dû faire le choix d'éternité. C'est ça le problème, c'est qu'on n'a pas choisi l'éternité. Parce que si vraiment, foncièrement, on l'avait choisi, mais s'il y avait un concours pour ceux qui arrivent à être le plus grand sadique de la Terre, on fait un concours, la plus grande sadique de la Terre, un concours. Et puis, ils vont apprendre la Torah, ils vont faire Mitzvot, ils vont faire... Attends, t'es sûr que t'as bien fait? C'est ça, mais c'est ce qui va se passer après le Mashiach. Quand le Mashiach viendra, c'est ce qui va se passer. Hein. C'est ce qui est marqué dans le Rambam. Regardez, Chot Menachim, le Rambam, il explique ça. Mais pour vous dire, vous expliquer que la réalité n'est que la projection, n'est que la projection de ce que nous sommes. Si si ça va pas, tu verras que ça va pas. Et si tu es sa mère, et si tu es clair, et si tu es sûr de toi, etc., et si tu ne laisses pas d'espace, etc., de rentrer en toi, tu verras que les gens, ils vont t'aduler, ils vont t'embrasser, ils vont dire, heureusement qu'il y a des juifs, heureusement qu'on a eu... un type qui nous a sauvé la vie, heureusement, ouais. Grâce à Dieu, voilà, les technologies, les machins, le laser, c'est les Israéliens, et ben, voilà, merci. Et là, c'est l'inverse qui se passe. C'est pas normal, vous avez compris? Cette anormalité révélatrice de quelque chose de fort. Vous avez compris? C'est ça. C'est ça qui est marqué là. Donc c'est important, c'est le message, je pense que c'est le message de cette paracha. D'accord? Pour ça, il y a un petit message, un autre message que je voulais vous donner, c'est comme ça. Mettez votre ceinture de sécurité. C'est marqué comme ça. Il y a marqué que Yaakov, il avait 11 enfants. Il avait ses deux femmes, ses deux servantes, ses 11 enfants. Il avait combien d'enfants, avec Yaakov? 12, oui. Avec Dila. Vechadassa Yeladav. Rachid dit, mais Vedina, Echanaïta. Pourquoi on n'a pas compté Dina? Dina, il avait une fille ou pas? Une fille unique. Ouais. Elle était où? Pourquoi on n'a pas cité là? En fait, il avait mis dans un coffre qu'il avait fermé à clé. Pourquoi? Pour qu'Esav, elle était très belle. Dina, il a eu peur qu'elle mette ses yeux sur elle. Les gens, il va vouloir l'épouser absolument. Il va faire. Il n'y a pas de problème, je vais la cacher. L'écart n'est rien chez Yaakov. Yaakov, il a été puni à cause de ça. Chez Mana'a Me'achiv, qu'il l'a refusé à son frère. Pourquoi? Shema Tarzirenu les Moutaves. Tarzirenu les Moutaves. Elle va le ramener à être meilleur. Elle va changer cet homme en mieux. Peut-être. Et ça a été reproché à Yaakov d'avoir refusé sa fille à son frère. Venafla Biat Shrem. Et c'est pour ça qu'elle a été abusée par Shrem Ben Chamor. Elle a été violée par un homme. C'est de sa faute ou celle de son père? Hein? Mais il n'y a pour rien, le pauvre. Ouais. Alors, comment vous avez compris les juifs du 12e arrondissement de Paris? Est-ce qu'on peut être puni des fautes de nos parents? Hein? Ouais. Où c'est marqué? Hein? Il y a marqué pour rien avant la vote. Hachem, il se souvient de la faute des parents sur les enfants. C'est vrai ou pas? Les enfants, comment? Quand Dieu a
La garantie. Responsable. Non, garantie, c'est pas responsable. C'est-à-dire que ça va continuer. Mais est-ce qu'on va trinquer pour nos parents? Est-ce que c'est logique? Normalement, c'est pas logique. C'est logique ou c'est... Non, c'est pas logique. En fait, c'est pas logique. Et c'est faux. C'est faux. D'abord, c'est marqué le contraire dans la parasha de Shoftim. C'est marqué un homme est blanc de ses fautes. D'accord? Oui, non. La Gemara dans Sanhedrin, elle explique pourquoi. Parce que Maaseh a voté MBDM. En fait, les enfants, ils trinquent pour les parents quand ils ont répété les erreurs des parents. Mais jamais un homme ne peut retoucher la faute de ses parents. Jamais, jamais, jamais. Mais, Razak Balor. Ah, comment ça se fait qu'ici, elle a été abusée? On est obligé de dire que quoi? Qu'elle voulait se marier ou pas? En fait, elle voulait pas. Elle aurait pu se marier. Elle aurait pu dire à son père, non, je suis désolé, peut-être que je vais l'épouser, pourquoi pas. Ouais. Mais elle acceptait comme son père avait pensé. Elle a décidé pour elle. Non. Son père l'a dit, c'est pas pour toi. Elle aurait pu dire, pourquoi papa tu dis ça? J'ai envie de l'épouser. Ouais, peut-être que je vais la ramener dans le meilleur. Ça va? En fait, elle a pensé que non. Comme son père, que non. C'est pour ça qu'elle a été abusée par... Elle a eu une relation stérile alors qu'elle n'a pas eu une relation fertile. Ça va? Mais c'est sûr et certain que c'est parce qu'elle a décidé qu'elle ne voulait pas se marier avec lui. Ça va? La question que je vous pose, c'est la suivante. Depuis quand un tzadik comme Yaakov Avinu, qui a une tzadikette comme la fille unique, il va la donner à Racha comme ça? Hein? Refusé. Oui. Au contraire, c'est de voir un petit bout d'avis, mais elle respecte le choix de son père et elle dit ok. Je me... Alors il y a des fois dans la vie où il ne faut pas écouter ses parents quand c'est des choix personnels. Mon père, il veut que je fasse tel métier, machin, mais ça ne me plaît pas. Ben, je vais faire kibbout d'avis. Ouais, non. Je ne vais pas faire kibbout d'avis. Pas de mitzvah d'honorer ses parents si ça ne correspond pas au profil de ce que je veux espérer devenir. Oui, mais est-ce que c'est une faute de ne pas contredire pour autant? Ah, je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Ici, ce qui est marqué, c'est comme ça. Et ça, c'est pas un homme. Esav, c'est la représentation physique de tous les goïms, tous les occidentaux. Ouais. Oui. Si tu arrives à changer cet homme, ça veut dire que tu vas changer toute sa descendance. Ça vaut le coup ou pas? On peut éviter la Shoah? On peut éviter les pogroms? On peut éviter ou pas? Ça dépend de toi. Tu veux ou pas? Il a dit non. Yaakov, il a dit non. En vérité, tu vois ton frère dans cette décadence. Tu peux pas l'aider? Il dit non. Hein? Tarzir Otolemoutav, ça veut dire quoi? Elle va le changer en mieux. Alors je vous explique une question. Je vous pose une question. Qui c'est qui devait poser ça au départ? Léa. Léa. Oui. Chazak Ouvalour. Elle a pleuré pour ne pas l'épouser? Hein? Oui. 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 Et parce qu'elle a pleuré pour ne pas l'épouser, elle a eu Yaakov avant Rachel. Chazak Ouvalour. Et elle a eu autant d'enfants que tous les enfants de toutes les femmes réunies. Parce qu'elle n'a pas voulu se marier avec lui. Elle a pleuré, elle ne veut pas se marier avec lui. Elle s'est dit qu'elle ne veut pas cet homme. Ça va? On voit que la prière a été bien entendue. Ouais. Et il a fait que non seulement elle a épousé Yaakov Avinu, hein, mais en plus elle a eu autant d'enfants que toutes les femmes réunies. Elle a eu 6 enfants alors que les autres n'ont eu que 2 chacune. Alors ça vaut le coup pas de pas vouloir y aller, ça vaut le coup pas. Et Dina qui ne veut pas des sables, elle est abusée par son maître à mort. Je comprends pas. C'est bien ce qu'a fait Dina ou c'est pas bien? Ben oui, puisqu'elle a eu plus d'enfants que les autres. Ouais. Donc si c'est bien, alors ça a dû être bien pour sa fille. Eh ben non. Comment la mitzvah de l'un, c'est la vera de l'autre? Comment la mitzvah de l'un, c'est la vera de l'autre? Là, Léa, elle a dit, moi je vais prier pour ne pas tomber sur ma mitzvah. Elle a eu des enfants, elle a eu machin, elle a été gratifiée. Et l'autre qui ne veut pas l'épouser, elle est abusée parce qu'elle est mort. Mais je comprends pas. Alors, il faut le faire ou il ne faut pas faire? Qu'est-ce que vous avez compris alors? Hein? Mais il fallait pas, il fallait que tu l'ailles l'épouser, toi. Qu'est-ce que tu fous là? T'as pleuré là. C'est ça qui est marqué là. T'as zéro tonneau, peut-être tu vas changer. Ah non, 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 il fallait pas. Ah, t'as bien, eh ben, écoutez, t'as bien fait de pas t'avoir refusé. Eh ben, non seulement tu vas épouser Yaakov avant ta soeur, et en plus t'as autant d'enfants que. Voilà. Comment tu peux recevoir un salaire sur ça quand elle a été punie pour ça? Oui? Qu'est-ce que vous avez compris? Ah, ça coupe. Hein? Comment? J'ai du mal à comprendre. Alors j'ai pensé comme ça. La mitzvah de l'un, c'est la vera de l'autre. Parce que Léa, elle ne pouvait pas changer Esav. Mais Dina, elle pouvait changer Esav. C'est-à-dire que chacun, il doit savoir ce qu'il peut faire dans la vie. Tu dis, mais personne ne fait comme ça. Je dis, mais moi, je me sens le faire. Alors écoute ce que tu ressens et n'écoute pas les autres. Parce que toi, l'autre, leur mitzvah, c'est de jamais rentrer là-dedans.
comme il y a des gens, ils ne sont pas très, très érudits, machin, et puis ils veulent essayer de répondre à des questions que des gens qui ne sont pas dans la Torah, ils ont. Ouais. Ils disent, ouais, je vais t'expliquer, mais ils disent des bêtises ou des trucs. Ouais. L'Agma dit, non. Elle dit, da, il faut que tu saches mal et acheter la picorose, il faut que tu saches comment tu vas répondre à un épicurien, il faut savoir répondre. Le type, il est intelligent, hein. Il va te poser des questions pointues, hein. Il faut savoir répondre ou pas. Tu dis, ouais, mais je vais te répondre, moi, je connais la Torah, j'ai une barre comme ça. J'ai compris, mais après, qu'est-ce qu'il va dire le type? Il dit, ah, c'est ça la Torah. Il va se moquer de nous, ça va ou pas? Si tu sais pas, tu sais pas. T'as une mise à te barrer. Par contre, si quelqu'un il sait répondre, ben lui, il a une mise à d'y aller. T'as compris pas? La mise va de l'un, elle verra de l'autre. C'est-à-dire que si tu te sens des compétences, il faut le faire. Dina, elle se sentait des compétences de faire, il fallait pas l'empêcher de faire. Parce que c'est pas de changer les saves qui compte, c'est changer l'humanité qui compte. Vous avez compris ce qui était extraordinaire? C'est ça qui est marqué là. Oula et tarzir auto les moutaves. Donc elle a une relation stérile. Pourquoi c'est aussi dramatique que ça? Parce que ce qu'elle devait faire était énorme à la proportion de ce qu'elle a refusé de faire. Vous avez compris ce que je veux dire? Bien oui. Et pourquoi c'est comme ça? Parce qu'il est marqué comme ça. Une autre question que je vous pose, c'est marqué comme ça. C'est marqué Vatet c'est Dina bat Léa. Elle est sortie Dina, la fille de Léa, Asher Yalda Léa Yaakov Lirot Bibnot Haaretz. Elle était Yalda. Asher Yalda Yaakov, qui était née de chez Yaakov, Lirot, pour voir les filles de la terre, les filles des gens qui étaient là-bas. Là-bas, le Rachem, il ramène le Midrash, il dit que Shrem ben Chavor, il a vu cette fille. Ouais, il s'est amoureux chez elle, il dit, il faut absolument que je l'épouse. Il l'a vu comme ça, elle était très belle. Et tiens, je lui ai demandé aux filles là-bas d'aller jouer des instruments de musique devant sa maison et tout. Et elle a entendu la musique, elle dit, ah, super, elle est sortie. Ouais, et c'est là qu'il a pris, qu'il l'a violée. Ouais. Il est marqué dans la Torah, Dina bat Léa. Pourquoi bat Léa? La fille de Léa. Qui était... Asher qui avait accouché pour Yaakov. C'est quoi cette formule? Elle n'est pas la fille de Léa, la fille de Léa qui Yaakov. Rachid comme ça. Vélo bat Yaakov. Il marquait la fille de Léa et pas de Yaakov. Et là, Al-Shem Shiatsata Nikret bat Léa. Parce qu'elle est sortie, elle s'appelle la fille de Léa. Sheaf i Yatsanit Aïta Shinema Arbatetse Léa Likrato. Elle est sortie parce que sa mère un jour elle est sortie. Que quoi? Parce que quand Rachel elle a demandé à sa sœur, tu peux me donner les doudaïm, les fameux jasmins de ton fils Réhouven et tout ça. Il dit, mais pourquoi tu m'as pris mon mari, tu vas prendre mes jasmins et tout ça. Il dit, écoute, voilà, ça pouvait lui permettre de tomber enceinte. Ouais. Elle lui a donné. Il dit, mais je te les donne à condition que ça soit moi ce soir qui aille avec Yaakov. Il dit, ok, pas de problème. Je te donne ma part. C'était elle qui devait, Rachel qui devait aller. Il dit, écoute, c'est pas grave. Je te donne cette chance-là, vas-y. Maintenant, elle est sortie voir son mari. Elle dit, ce soir, c'est avec moi que tu vas être. Yatsani Taïta. Comme c'est que ça, elle avait... C'est très très fin ce qui est marqué là. Attention, il faut faire attention. Mais comme c'est qu'elle était... elle avait eu l'audace de poser cette... De dire une chose pareille dans ce cadre-là, on va dire. Elle a manqué de pudeur, entre guillemets. Vous savez, oui, mais c'est très très fin. Et cette pudeur, en vérité, ce manque de pudeur, elle a transmise à sa fille. Oui. Pourquoi c'est important de dire ça? Parce que c'est marqué dans la Torah. Une chose que vous devez entendre, c'est marqué dans la Torah comme ça. C'est marqué, qu'est-ce qu'il a dit Hachem à Rachava? Vous vous rappelez ce qu'il a dit Hachem à Rachava? Hein? Vous vous rappelez ou pas? Hein? Dans le ventre de votre mère, on vous a dit comme ça. Vous vous rappelez ou pas? Non, vous vous rappelez pas? Non? Hachem, il a dit à Chava, la femme de Adam Arishon. Qu'est-ce qu'il a dit Hachem à Chava? Hein? Alors, je vais vous dire marqué ce qui est marqué. Comment? Ça se fait pas. Alors, je vais vous dire ce qu'il a dit Hachem. Et Laïcha Amar, à la femme, il a dit Arba Arbetz Boner. Multiplie, tu multiplieras ta souffrance. Ve'eroner, ta grossesse. Be'etzeb te dibanim. Dans la souffrance, tu accoucheras un garçon. Ve'elisher tes choukater, et ton désir sera porté vers ton mari. Ve'uim sholbar, et celui qui régnera sur toi. Vous avez compris ou pas? Macho. Non. Qu'est-ce qui est marqué dans la Torah? Hein? Elle dit, tu vois, c'est l'homme qui domine. C'est vrai, c'est marqué dans la Torah. C'est marqué,
et tu vas désirer ton mari et lui va te, il va te contrôler, tu vois. Non, Rachid dit pas ça. C'est pas ça le pshat. Le pshat, Rachid dit le pshat, le sens littéral. C'est pas ça qui est marqué. Il est marqué comme ça. Rachid dit comme ça. Et c'est pour ça qu'il faut réfléchir à ça. Tetzain, c'est marqué. Et vers ton mari, ton désir. Ta avater, les tachmish. Tu auras envie de retrouver ton mari. Ouais, d'avoir une relation avec ton mari. Et quand même tu n'auras pas l'insolence de lui réclamer avec ta bouche. Et là, Ouim Sholmar, c'est lui qui régnera sur toi. C'est lui qui te demandera, mais pas toi. Tu auras très envie, mais il ne faut pas que tu l'exprimes. Pourquoi ça, c'est réparateur de sa faute? Dans la sexualité, il ne faudra pas que tu dises, ouais, j'ai envie de te retrouver, machin. Non, il faut que tu aies la pudeur, tu vas te maquiller, tu vas t'arranger, il va comprendre. Et c'est lui qui va, il va comprendre. Mais toi, tu ne vas pas lui demander. Pourquoi? C'est ça, il régnera sur toi. C'est pas Hasbe Shalom, il va régner sur toi. Non, c'est pas ça qui est marqué. En quoi c'est réparateur de sa faute à elle? La pudeur. Hein? Est-ce que vous imaginez qu'Hachem, il a dit à Adam, écoute, il ne faut pas que tu manges de... Tu peux manger tous les fruits de la terre, mais cette table, tu ne manges pas. Oui? Et si tu manges, tu meurs. C'est ce qu'il a dit, ouais. Sa femme, elle vient, elle dit à son mari, mais tu sais, c'est tentant quand même. On sera comme Dieu, Et lui, il a accepté ce qu'elle a dit, quoi. Elle avait une force quand même. Hein? Qui c'est qui régnait sur qui? Hein? Ben c'est elle. Elle est elle. Elle était plus forte que qui? Plus forte que Dieu! Hachem lui dit, et tu peux manger tous les fruits de la terre, mais celui-là, tu manges pas. Ouais. Et si tu manges, tu meurs. Sa femme lui dit, mais si, tu verras, on va manger, il va rien se passer, n'importe quoi, on va être comme Dieu, tu te rends compte qu'on va gagner. Elle a réussi à le convaincre, c'est un truc de malade. Tu mets Hachem et tu mets sa femme, il choisit sa femme. Tu mets l'éternité, tu mets la mort, il choisit la mort. Un truc de fou, quoi. Quelle puissance elle a! Ouais. En vérité, elle a une force énorme, une femme. Mais il ne faut pas qu'elle l'utilise contre les éléments présents. Il faut avoir la pudeur de se dire, non, ça je garde et ça je donne. Vous avez compris pas? Quand elle aura envie, elle ne va pas le montrer. Elle va se concentrer à te dire, non, il faut qu'il comprenne, il faut que je ne vais pas l'effronter. Et qu'est-ce qu'elle a fait, comment elle s'appelle, Dina? Ouais, elle est sortie. Qu'est-ce qu'elle a fait sa mère? Elle était pour son mari, elle dit, ce soir c'est moi. Hein. C'est très fin ce qui est marqué, parce qu'on parle de grande sadikim. Hein. Ça veut dire qu'elles ont... Et c'est ce que Rachid dit, il dit que la fille, elle ressemblait à sa mère. Et à cause de ce manque de pudeur-là, parce que j'ai pas compris, c'est à cause de la pudeur ou à cause de son père? C'est à cause qu'elle a refusé d'épouser ça ou c'est à cause de sa pudeur? Je comprends rien. Comment c'est marqué là? Vous avez vu qu'il y a un problème ici ou pas? La Rachid nous dit, tu sais pourquoi elle est là? Ah, parce qu'elle a refusé d'épouser ça. Et on dit, tu sais pourquoi elle est là? Parce qu'elle était, elle a pas eu cette pudeur de femme qui lui manquait, quoi. C'est bizarre. Alors c'est quoi? C'est l'un ou l'autre? En fait, c'est les deux. Vous avez compris? Que si elle avait été, le Rachid me dit, si elle avait été la fille de Rachel, elle serait pas sortie. C'est un truc de dingue. Hein. C'est-à-dire qu'il faut travailler sur soi-même et comprendre l'intérêt des choses et pas l'intérêt des choses. Vous avez compris? La pudeur, c'est un peu... Vous avez vu, quand dans cette paracha, hein, quand Esav est arrivé, ouais, c'est marqué que Yaakov, il s'est levé devant sa mère pour ne pas qu'Esav y mette les yeux sur elle. Sa femme, sa maman était très belle. Il s'est levé, il n'a pas voulu se mettre. Là-bas, dans Parashat Vayikhi, c'est marqué que quand Yaakov, il a béni ses enfants... Il a dit, toi, tu vas devenir un grand. Et Rachid dit, pourquoi? Parce qu'il avait levé les pieds devant sa mère pour pas que Esav la regarde. Quel rapport entre, il se lève comme ça, il va grandir. Et alors, il va devenir prince d'Égypte, roi d'Égypte. Ministre d'Égypte. Comment c'est possible? Qu'est-ce que ça a à voir avec le lever ses pieds? Il a dit comme ça, ma mère, elle est belle. Mais je sais à quoi ça sert. Mais lui, je sais à quoi il pense. Ouais, son regard là, j'ai pas envie qu'il le mette sur ma mère. Alors je vais le mettre en écran devant elle. Ma mère, c'est pas un objet. Ça va? Elle est belle, mais je veux pas qu'il croie que la beauté, c'est celle qui savent. Parce que je sais comment ils pensent, Esav. Esav, il pense comme quelqu'un qui voit la façade. Il voit pas la plimiout. Il voit pas l'intériorité de la femme. La femme est intérieure. Gvoda batmener penima. C'est-à-dire que la gloire d'une femme se trouve à l'intérieur. C'est-à-dire qu'une femme, elle a une vocation à ce que nous, on sait pas faire. On sait pas faire ça. Nous, on est plus à l'extérieur, on se montre, on est les plus forts, on est les plus machins. C'est pour ça qu'entre les frères, ça va pas du tout.
Vous avez compris? Parce que là, il... mais c'est moi le Béchor. C'est moi l'autre Evel, il est secondaire. Je vais le tuer. Et Shmuel, il va tuer son frère, son cadet, parce qu'il va, il va vouloir lui prendre la place de Béchor. Et comment ça s'appelle? Et Yesef, il va leur tuer. Va. On est dans la compétition, les hommes. On n'est pas du tout dans l'intériorité. Alors, on a créé la femme justement pour qu'elle ait cette valeur. Elle ait ses valeurs intérieures. Parce que c'est elle qui nous maîtrise, c'est elle qui nous permet de nous comprendre intérieurement, c'est elle qui a cette faculté. Mais si une femme, elle n'est pas ça, alors elle perd cette faculté de femme, c'est pas ça. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est ça la tsniout. La tsniout, c'est pas de la forme. C'est de comprendre, je sais que j'ai un avoir et j'ai un être. J'ai pas envie de mettre en avant l'avoir et de dire, comme les gens ils vont dire, elle est belle et machin. Une femme, elle adore qu'on lui dise qu'elle est belle. C'est vrai, c'est un devoir de la louer dans sa beauté. Mais il faut que ça reste dans un cadre bien cadré. Pour ne pas perdre, justement, pas tomber dans un panneau, et que j'ai envie que les gens ils me regardent, et que ce que je suis, c'est ce que j'ai. Non. Il faut que tu saches que ce que tu es, c'est ce qui est à toi, ce qui t'appartient, c'est tes midos, c'est ton avoir, c'est ton expérience, et tout ça. Voilà. Et donc tu vas vouloir cacher, en réalité, ce que les autres ils vont avoir comme regard, mais qui est faux, c'est un faux regard. Je veux pas de ce regard-là, moi. J'ai pas envie, je suis pas une femme comme ça, moi. T'as compris? C'est ça. Donc l'autre Yatsanit, elle est sortie, ça veut dire qu'elle a voulu s'exprimer en fonction de ce qui est dehors. Je veux pas que tu sois ça. Je veux que tu comprennes que ta vie, c'est ça, la vie intérieure, c'est cette vie-là que tu... Le kavod, c'est ça. La psychologie, tout ce qui est profond, tout ce qui est existentiel en toi, c'est ça que tu as en toi, c'est ça. Une femme, elle a des intuitions. Mais comment elle a des intuitions? Parce qu'elle est profondément intuitive. Elle a quelque chose de spirituel en elle, qui est très puissant. Mais c'est ça qu'il faut conserver. Je veux pas une femme en mini-jupe à montrer avec son décolleté... Il dit, bah, t'as vu comme je suis belle, j'ai compris, mais c'est pas ça ta vocation. Ta vocation, c'est ta kedusha. L'agma dans Yuma Daf Memzein, elle dit là-bas hein, qu'il y avait une femme qui s'appelait Kimrit. Oui. Elle a eu 7 enfants Kohen Gadol. 7 garçons Kohen Gadol. 7. Parmi ces enfants, 7 sont devenus des Kohanim Gdolim. C'est-à-dire des gens qui sont capables de rentrer dans le Kodesh HaKodashim le jour de Kippour. Elle a pas eu un, elle a eu 7. Les Chachamim sont venus la voir, ils disent, mais qu'est-ce que tu as fait dans ta vie pour avoir des enfants pareils? Elle a dit, parce que jamais les poutres de ma maison n'ont vu mes cheveux. Ça veut dire qu'elle avait une pudeur extraordinaire. Mais en quoi la pudeur, ça crée des enfants comme ça? Parce que la pudeur, c'est de comprendre ce que Youssef a compris. Il dit, moi, je veux pas qu'il me regarde comme ça. Vous avez compris? Voilà, je sais à quoi je sers, je sais exactement. La beauté, elle sert à quelque chose, elle sert pas à autre chose. Elle a une faculté à faire des nuances. Ouais. Alors comme elle a compris ça, donc elle était vraiment profondément intérieure, elle va créer des enfants qui sont profondément intérieurs, qui vont comprendre, qui vont se concentrer sur l'essentiel. Vous avez compris? Et c'est ça, rentrer dans le Kodesh HaKodeshim, de ne pas se déconcentrer, de savoir que tu parles à Dieu, etc. Combien c'est difficile de se concentrer sur l'essentiel? Ouais. Ben ça vient de nos parents, ça vient de ma mère. Si ma mère, elle était concentrée sur elle-même, elle va engendrer des enfants qui sont concentrés sur eux-mêmes. C'est ça. Mais si tu as une femme qui est truc, un, c'est pas un bon exemple, et deux, tu vas être comme elle. C'est ça qui a marqué. Que Léa, elle a engendré Dina. Et elle a engendré des midotes qui correspondent à ce qu'elle était. Ça va? Et c'est ça qui a provoqué que... Donc c'est les deux, en vérité. Pourquoi elle a refusé? C'est une raison qui va aussi justifier le manque de sa pudeur. Ouais. Peut-être que le manque de pudeur, c'est extraordinaire. Parce que si tu avais été pudique, tu aurais vu l'intériorité de ce que tu es et ce que tu peux apporter à celui qui n'a pas ça. Et tu aurais changé l'humanité. Mais c'est aussi un regard pnimi, ça. Soit tu dis « Non, c'est shalom !» Tu refoules, ouais. Ou soit tu dis « Non, mais... qu'est-ce que je peux lui apporter à cet homme ?» Vous avez compris la différence? Et ça, il faut se voir de l'intérieur pour comprendre ce que je peux lui apporter. Alors que si je dis « Non, mais ça me dégoûte, il ne fait pas les mises-votes, je ne supporte pas ce genre de personnes. » Donc tu es plus dans un regard extérieur que dans un regard profond. Et ça, vous avez compris, c'est comme une femme. Un père, il ne sait pas forcément parler à ses enfants, mais une femme, elle sait parler à ses enfants, dit l'Agmar dans Kiddushin. Pourquoi? Parce que « Meshad lato bidvarim », elle sait quoi leur dire quand ça ne va pas. Le père, il dit, mais qu'est-ce que tu fous, n'importe quoi, nanana. Et la femme, il dit, mais qu'est-ce que tu parles comme ça, ton fils? Mais non, je vais t'expliquer, chérie, non, oh, j'ai compris, t'as un problème, t'as machin, je vais t'expliquer. Elle se confie à lui, mais pourquoi? Parce qu'une femme, elle comprend la souffrance, elle comprend la détresse, elle comprend tout ça. L'autre, il dit, mais il faut qu'il soit un homme. Qu'est-ce que tu t'occupes de lui? Vous avez compris? On est plus dans la façade, ils sont plus dans la petite minute. Et ça, c'est ça qu'on devrait apprendre. Ouais. On va pas dire aux femmes, allez braquer des banques, mais les femmes devraient nous apprendre à ne pas braquer des banques. C'est ça? Parce que nous, on est des virils, on est des machins, on vient des Kalachnikov et on... J'ai jamais vu une bonne femme avec... Quand est-ce qu'on braque une banque? À la fin du mois, j'ai pas réussi à finir mon mois, on va faire une banque. Ouais, on va faire une bande de filles, comme ça, on va... Elle se parle. C'est pas de nature, hein, mais pourquoi? Parce qu'une femme, elle a du kavod.
Son kiavod, c'est l'intériorité. Ça se fait pas. Tu dis, une femme va prendre une kalachnikov, va avoir bruit. Ah, ça se fait pas. Mais nous, on dit non, mais pourquoi pas. Donc on voudrait s'inspirer de la pudeur des femmes. C'est ça. Chazak u baruch. On se coule les misvot, hein.